Et bonjour Squeezie, salut Alison. Le tété, boum, il tente le jeu. Salut Yannou. Ça va ou quoi? Ça me fait très plaisir. Ça va là-bas? Ça va là-bas? On est sur le Cranium, on va donc s'affronter de ce pas. Je propose déjà pour commencer, petit bruit sympathique. Oh, petit bruit, c'est un CV. Vous pouvez choisir un personnage. Choisissez votre. On prend les quatre, les gars. Le jaune, c'est pour toi, Kevin. Oh, petit tag. Alors le but c'est d'arriver au bout du plateau comme ça. Exactement. Ok, d'accord. C'est parti, il nous faut bien évidemment un premier défi. Qui veut commencer? Ok, c'est parti. Allez, on y va. Désignez dans votre équipe un artiste capable de faire devenir la réponse qui figure au dos de cette carte en manipulant les bras et les jambes d'un coéquipier à la manière d'un marionnettiste. Indice. Action. Alison, maître du temps. Manger. Mâcher. Digérer. Le goût. Remuer. C'est dur. Putain, il y a du monde de ouf. C'est très dur. C'est quoi les gars? Fais un truc mieux! Échange! Fais autre chose! Bouger! Couper, mélanger, touiller! Spaghetti! Ça fait passer encore plus de temps! Spaghetti! Aspirer! Couper! Mélanger! 4! 3. Il l'a dit! Non! Il l'a dit! Putain, c'est fini! Il fallait dire l'expression exacte, je suis désolé! C'est quoi? C'était manger des spaghettis! En fait, vraiment, vous avez perdu. Voilà. Ça canalise le plaisir. Alors, on choisit quoi, les enfants? Est-ce qu'on choisit pas le truc qui vont jouer? Bah, comme nous. Ah, franchement, allez, rouge, on tente. Ok. Question. Si vous avez 100 amis Facebook le samedi et que ce nombre double chaque jour, combien d'amis aurez-vous le jeudi suivant? Et hop là! Allez, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. 538. Double, il double. 24. Mais c'était quoi? C'était mardi, 98. Deux semaines, mardi, 106. 106, 148. Bah non, t'es à mercredi là. On est samedi, mais quel jour? Ils essayent de créer la discorde. Et si on prendrait pas ça, vu comme c'était nul, sur l'art des rats. Ok, mais non, mais ok, Mars, c'est parti. Alors, Salvador Dali gominait ses moustaches au miel. Vrai ou faux? Salvador Dali. Attends, déjà ça. Si, je vois, je vois. Non, je vois, mais je me dis, attends, à quel moment on peut savoir ça? C'est ça, il est complètement taré. N'oublie pas, il a fait la Coupe du Monde 98. On se rappelle, ils sont au miel, les gars, c'est chaud quand même. Ah, genre, il faisait ça comme ça avec du miel. Franchement, il est tellement taré qu'il y a moyen. Ouais, après, ouais, c'est 50-50. J'avoue, c'est la folie, il y a du miel sur les moustaches. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Oh, c'est Mika qui tranche. Mika, tu tranches. Dépêche-toi, Mika. Moi, je dis que c'est vrai. Faux. Moi, je dis que c'est vrai. Tu ferais quoi avec ta moustache? Alors, j'explique aux gens, en fait, quand t'as violé, ça veut dire que tu tombes sur une case comme ça et que du coup, tu choisis la question que tu veux parmi les quatre thèmes. Surtout, tu peux prendre le circuit rapide. Et tu peux prendre le circuit rapide, c'est vrai, on s'est mis bien. Les enfants, c'est à nous. Dites-moi. Là, du coup, on va prendre le circuit lent parce qu'on a fait faux tout à l'heure. Ouais. Et je propose qu'on fasse une bonne réponse, un violet, et comme ça, on les rattrape. Allez. Désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos de cette carte en dessinant. L'indice, c'est chose. C'est une chose. Dès qu'il commence à dessiner, tu retournes. Ok, on se concentre. Et c'est parti. C'est parti. Une machine à laver. Un verre. Un sourire, une dent, un dentier. Une carie, un dentiste, un appareil dentaire. Une dent, la dent. Et voilà. Voilà, c'est bon. Alors. C'est fort. Alors, non, c'est du
C'est pas grave, on est daltonien. On est pas si on est loin. Pas ta modèle. Désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos de cette carte en modélant la pâte à cranium. La pâte cranium sans geste ni parole. Attention, sans geste ni parole. Et retournez le sablier, c'est parti. Hein. Je suis vraiment perplexe parce que franchement, j'ai jamais vu ça. Regarde vite. Tu vas le roi au lit, mais attention. Une grosse merde de chien. Un éléphant. Des pattes. Des éléphants. Des dents, des gencives, un bracelet. Comme s'ils allaient faire ça, puis les dents. Qu'est-ce que tu fais? Des lunettes. Il mime là, il est en train de mimer. Non, il mime pas. Non, il essaie de faire. Vous voulez que je lui mette Cyclope? C'est Cyclope. C'est un caca de chien. C'est sûr. Moi, je fais ça avec des caca de chien dans la rue. Du coup, manger. Parler. Lèvres. Bailler. C'est du mime quand même. Pourquoi on prend Kevin à chaque fois? Un protège-dents. C'était pas évident, hein? Attends, mais mec! Il y en a qui dessinent des appareils dentaires et à côté, lui, il doit faire un protège-dents. On était aux alentours, tu vois, lèvres, mâchoire. C'est super dur. C'est à nous, là? Ouais, c'est à vous. Allez, vas-y. Toi, tu vas nous montrer que t'as de la chatte. Du coup, tu fais rouge. Allez. Ah non, si je fais rouge, je me tue. Rouge. Jaune. Ouais, ça va, c'est 2 de plus. C'est jaune, 2 de plus, c'est pas mal. Ouais. Les gars, on est sur du vert, nous aussi. Donc on va devoir chantonner. Mimetics. Chaque équipe désigne dans ses rangs un artiste capable de lui faire deviner la réponse en mimant des indications, sans parler. La première équipe qui trouve la bonne réponse gagne un lancer de dés supplémentaire, si c'est vous. Indice, c'est un événement. Vous êtes prêts? Oui. 3. Vous êtes prêts? Un événement. Vas-y. C'est parti. Ouais. Boire du café. Oktoberfest. Happy Hour. Yes. Oh, je suis tellement pas. Elle est contente. Comment t'es trop pas laissée? Elle vient d'Irlande, c'est pour ça. Putain. Alors là, c'est le retour de la chanson. Donc vous allez devoir faire deviner une chanson en fredonnant bouche fermée ou en sifflant. Ouais. Ok. C'est qui? Un indice, c'est du Black M. C'est faux. Qui fait? C'est toi qui fais? Bah, Yannou. C'est pour toi que je la connais. Oui. Tu vois? C'est quoi ça? Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. C'est quoi ça? Elle l'a, mais faut trouver le titre maintenant. Mais comment tu peux connaître une chanson petite par cœur? Oui, Francis Cabrel, la grand-mère à moustache. Bon, là on lance le dé. On lance le dé, vas-y. Un violet. Ouais, mais le violet on va juste devant là. Oui, mais le violet on est juste devant. Mais c'est pas grave. Oui, mais on a pas possibilité de faire un raccourci. Exactement. Allez. Non, je suis assez content. Allez, les enfants à vous. Ça triche. Jaune. Non. Vous êtes prêts? Les jaunes, ça triche. L'intitulé du truc, c'est relais relopé. Donc c'est effectivement épelé à l'envers, à tour de rôle. Alors le mot est, t'es prêt? Abracadabra. Allez, vas-y, attends. Abracadabra. Attends, Kevin. Oh. Mais... A. D. A. C. Et non, pas du tout. C'était la même technique que Lucas tout à l'heure, par exemple. C'est. Attends. Ah, bien joué. C'est gratuit. A. R. D. A. Allez! C'est marrant, comme ça nous rend vraiment stupides. A. Eux, ils sont verts, c'est ça? Prenez les cartes ici. Qui veut lire? Je suis deg. Moi. Marionnetto, mon frère. Oh non. Tu prends quelqu'un dans ton équipe qui te manipule les bras, les jambes, les cuisses. Pas d'activité. De manière sensuelle. L'indice, c'est une position sexuelle. C'est une activité. Activitaï. Ok, je vais marionnetter. Et tu marionnettes Kevin. Et je marionnette Kevin. Allez, c'est là. Et je veux la totalité de la réponse. Oui, s'il te plaît. Alors. J'ai très envie d'appuyer. Donne-moi un peu. Ah, sablier? Bah, tant pis pour la gueule. Bon. Éternuer à plongeon. Laisse-toi, connard. Plongée sous-marine. C'est ça. Ah, allez. J'avais vu quelqu'un qui violent dans ce moment. Penche-toi, connard. Bravo, vous avez mérité. Extrêmement violent. On ferait pas, lances le dé, honneur à toi. On ferait pas un violet pour le penche-toi, connard. Allez, un violet, c'est le karma. Il s'est pris une insulte, il se prend un violet. Un joli petit jaune. Putain! Est-ce qu'on relance le... Ah bah non, on lance pas le petit dé. Là, on est en bleu, là. On est en bleu. Et bah, c'est Allison. Oh. Allison, tu peux piocher ou... Pardon, excuse-moi. Crayonnade. Non, c'est une expression. C'est une crayonnade. C'est une expression. Allison. Le bec dans l'eau. Ouais.
Comme un la canard. Canard. Un canard. Un canard. Un signe. Une expression avec un canard. La mare au canard. Attends. Ah, c'est un vol. Mais non, perdu. Je vais arrêter. Je peux continuer? Non, mais c'est fini. S'il vous plaît, j'ai une vie de famille difficile. Les pattes de canard. Allez, s'il vous plaît. Les pattes de canard. Marcher en canard. Marcher en canard. Continue. Tu fais marcher en canard, non? Non, mais continue. Non, c'est pas fini. Une pâte. Non, mais vas-y, laisse les pattes de canard. Pâte de canard. Les pâtes. Les pattes comme un canard. Fais des signes en fait. C'est-à-dire, continue. Les pattes du canard. Oh, monsieur. Oh, ça triche. Oh là là. C'est pas faire plaisir. Eh, canard laqué. Oh, canard laqué. Fais des signes. Mais si vous pouvez trouver. Et en plus, on vous a laissé finir. Hein. J'ai oublié que la flèche c'était un symbole. En plus, je te l'ai dit juste avant. Oui, mais j'ai oublié. Attends, c'était casser trois pattes à un canard. Et tu fais que deux pattes. Mais j'allais faire une troisième. On va jeter à trois, Allez, jette avec nous, 1, 2, 3, violet, dans ta face. Violet et violet. La win, et c'est la win. Alors, on a fait violet. Si on réussit une dernière épreuve, un défi que de trucs, on a officiellement gagné. Proposez n'importe lequel et on s'applique. Désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos en mimant, sans parler. Juste du mime. Du mime. Toi. Allez, c'est une chose. Oh putain, tu mimes une chose. C'est là que notre destin va se jouer. Oh mais oui mec. Ah, il regarde, ils font où putain. Ouh, c'est pas mal ça. C'est à toi. Ouais, le mort. Un cercueil. Un lit, d'accord. Un lit à baldaquin. Un lit superposé. Oh. Ouh, ah, c'est bon, vraiment doué. Nous venons de gagner face à l'équipe de la mauvaise foi. Félicitations. C'était impossible. Bravo. Je suis vraiment très fier de toi. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Bravo. Il pleure. Il est exceptionnel. On est solidaires. On est grave solidaires. On va faire quelque chose, on va les applaudir quand même. Bravo, parce que vous étiez vraiment pas loin. Vraiment. Vous étiez très doués. Merci à vous. Et on se retrouve peut-être bientôt sur un nouveau jeu de plateau. Avec toujours aucune mauvaise foi. Parce que c'est le dernier. Je veux bien fermer les yeux sur ce que vous avez fait durant cette partie. Ok. Oh regarde, ils s'embrassent.